sommes arrivés à Amsterdam. My shoes untied and my hair. Tu aimes l'énergie de la ville, Poppy. Nous allons aller prendre un brunch juste ici. Petit avocado toast. Oh my god. Bon appétit. And the stains on my shirt. Une note. Franchement, un sourire. Just of the earth and of the leaves. On vient d'arriver dans la chambre. Je voulais faire justement, avant de tout déballer, un room tour parce que c'est superbe. C'est pas vraiment un Airbnb ni un hôtel, c'est un peu entre les deux. C'était vraiment pas cher comparé au prix des hôtels et la qualité de la chambre est juste dingue. C'est la véritable qualité d'accueil, c'est quand tu as une bouteille d'eau à ton nom. Marie ? C'est drôle. Ça c'est la vraie qualité d'accueil, tu vois. Marie is cool. Non mais tu crois que c'est vraiment fait exprès ? Je sais pas. Le mari cool. Après, ils nous ont mis une bouteille de champagne au frais aussi. Je pense c'est stylé. Hein. Trop sympa. Bon, alors, je vous montre. On entre. Nous avons... Regardez le lit comme il est haut. J'adore. Superbe. On a une vue sur le canal. On a des roses. Ça, c'est le petit coin salon. Et je vais vous montrer la salle de bain qui est digne d'un hôtel 5 étoiles. Regardez, tout en marbre. C'est canon. La douche. La petite pop. On a une petite terrasse. Très très cute. Hein. Voilà les amis pour ce petit room tour. Nothing matters to me. Cause I'm just dead. That's just perfect. Bonjour Poppy, t'as bien dormi? Tu es contente d'être à Amsterdam? Deuxième journée à Amsterdam, nous sommes arrivés donc hier. Nous avons visité le quartier dans lequel nous sommes, qui n'est pas du tout le quartier le plus touristique. Et c'est fou que nous soyons arrivés hier, donc le 19, le jour de la parade de Saint-Nicolas. Et ça lance la période de Noël. Les enfants étaient comme des fous parce que Saint-Nicolas leur distribuait des gâteaux. Poppy a adoré marcher dans les rues juste après. Ici, on ne croit pas vraiment au Père Noël, c'est plus Saint-Nicolas comme en Espagne. Ce matin, j'ai tourné un look du jour sur Instagram. Si ça vous dit de venir me rejoindre sur Insta pour voir d'autres aventures que celles de YouTube. Nous allons prendre le petit déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Petit Loup. C'est trop drôle, c'est le tout premier hôtel dans lequel on est allé. C'était 2017, je crois. 2016. Ouais. C'est drôle de revoir 2016, ça. Les souvenirs. On a terminé notre shopping et nous rentrons à la chambre d'hôtel. C'était une bonne session shopping. Je vais vous faire un petit haul. Moi, c'est impossible en France de trouver un jean bien long. Et là, c'était formidable parce que toutes les filles sont plus grandes que moi ici. À chaque fois, je me sens la plus petite, ce qui n'arrive jamais normalement. Il y a aussi des collections qu'il n'y a pas en France. Enfin, il y a d'autres styles, quoi, d'autres modèles. Donc, c'était sympa. On a visité plein de petits quartiers aussi. Alors, faisons un petit haul cost. J'ai acheté
deux fois le même pull. Je pouvais pas me décider sur la couleur et je l'aime trop, je sais que je vais le mettre très souvent. Beige, un peu grisé, hyper doux. J'ai pris le même en gris bleuté avec les fleurs taupe. Les mailles comme ça, j'aime trop. Chez H&M, j'ai trouvé des tenues d'intérieur avec des pantalons très longs à torsade beige. Un petit top par-dessus, un petit cardigan, tout à fait mon style. Chez Zara, j'ai trouvé le jean d'une vie délavé, à bord franc, comme ça. Il est trop, trop beau et bien, bien long. Voilà, hyper contente. Voilà les amis, et puis vous me verrez porter ça dans les vidéos à venir. Nous sommes à un indien qui a l'air vraiment très, très bon. J'ai pris un paneer tikka masala et William un butter tikka masala. Ce matin, nous retournons au Breakfast Club parce que je vous le conseille vivement cette enseigne. Si vous souhaitez prendre des petits déj et des brunchs, c'est vraiment très très sympa. Mais nous allons en tester un autre. Il est à l'angle de la rue dans laquelle nous avons dîné indien hier. Vous voyez Indian Restaurant au loin. Un véritable festin là quand même. Nous venons de prendre le petit déjeuner, c'était vraiment délicieux. Là nous sommes rentrés à la chambre pour nous brosser les dents et nous allons réaliser un rêve de William. Non vraiment c'est quelque chose qu'il voulait vraiment faire. À Amsterdam, nous allons louer un bateau et naviguer sur les canaux. Donc il fait pas un temps génial, mais de ce fait on sera pas embêté par les autres bateaux. On vient d'arriver, William est en train de remplir le formulaire et les petits bateaux sont là. Tu vas faire du bateau, Poppy, pour la première fois, tu es content? Bonjour mon capitaine. Bonjour. Très beau temps pour naviguer. Bah bébé, tu vas où? On va dans le mur. Il a changé de bruit le moteur, j'espère que t'as rien qui coincé dedans, j'aurais trop la plaie. Tu vas venir te ici. Là, je m'apprête à faire une manœuvre de haute capitainerie, à savoir à m'insérer sur un des canaux par le plus petit trou parce que le plus gros c'est trop facile. Ah ouais, d'accord, on se met des challenges. T'as fait ça toute ta vie, toi? Absolument, ouais, j'ai été. Ça, c'est quand j'ai fait l'armée, ça. C'était en combien déjà? C'était 74-75. J'étais au Vietnam. Pas facile d'en parler. Lourd souvenir. Voilà, on a terminé notre tour en bateau. Ouais, c'était sympa. C'était très très sympa. Tu vois Amsterdam d'un autre angle et c'était très chouette. C'est un peu plus tard, regardez, toutes les lumières sont allumées. C'est une trop belle ambiance. Et les amis, nous sommes rentrés d'Amsterdam, ça nous a bien changé d'air. C'était court, 3 jours, mais c'était quand même très sympa pour justement sortir un peu de notre routine, découvrir de nouvelles choses, même si ça faisait, je crois, la 4e fois qu'on allait à Amsterdam. Et bien, c'est toujours une ville qui est tellement agréable. Je reviens de chez Aromazone, le sac est très lourd. J'ai envie de vous présenter tout ce que j'ai sélectionné. Déjà, j'ai pris des produits qui me sont indispensables. Vous les connaissez depuis le temps que je vous en parle. Par exemple, le sérum acide hyaluronique à 3,5%. Mais surtout, je voulais vous présenter des idées cadeaux pour Noël à petit prix. À l'occasion des fêtes, Aromazone a développé une gamme d'éditions limitées en redesignant leurs best-sellers aux couleurs de Noël pour les faire découvrir ou redécouvrir à vos proches. Donc, si vous cherchez des idées cadeaux de soins naturels, efficaces, sans produits controversés, à des prix vraiment très très doux, je vais vous présenter ma petite sélection. Si vous voulez offrir un cadeau à une personne qui souhaite réduire ses petites traces d'acné, booster l'éclat de son teint et bien hydrater sa peau, je vous conseille le duo beauté Perfecteur Éclat, qui est composé de 2 best-sellers, le sérum vitamine C 10% et astaxanthine pour protéger des radicaux libres, et ce dont je vous parlais au début, le sérum concentré acide hyaluronique, excellent pour une peau bien hydratée et pulpée. Ensuite, pour une peau un petit peu plus mature, je vous conseille ce coffret qui est composé d'un sérum au bacuchiol. Je vous en parle sans arrêt. En fait, c'est une alternative végétale au rétinol qui va booster la synthèse de collagène. Collagène dont la production, comme vous le savez, diminue d'année en année. À 50 ans, on se retrouve avec 50% de collagène seulement dans l'organisme. Et c'est ce qui cause le relâchement cutané, la perte d'élasticité,
l'apparition des rides, etc. Donc, ce sérum au bacucole va booster la production de collagène et on a également le sérum à acide hyaluronique à côté. Pour une personne qui aime prendre soin d'elle, qui aime avoir son petit temps dans la salle de bain le matin ou le soir et qui commence à avoir une peau un peu plus mature, ce coffret est sublime parce qu'il contient un gua sha aromazone et la fameuse huile de soin visage aux 5 huiles précieuses. C'est un cocktail d'huile végétale bio, de cerises, d'argousier, de framboises, de grenades et d'hibiscus. Pour une peau plus lumineuse, plus jeune, on va activer la circulation sanguine, la lymphe, pour libérer les tensions du visage, avoir un visage plus relaxé tout simplement et donc éviter les rides qui se forment à force d'être contractées comme ça. Bref, un très très bon coffret également. Le coffret idéal pour toutes les fans de manucure qui aiment avoir les ongles bien propres, bien faits, bien nourris. Nous avons une huile de soin, ongles et cuticules. Elle est bio. Ensuite, on a un top coat brillance et une crème pour les mains pour bien les hydrater après la manucure. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée, vous allez me dire dans les commentaires pour toutes les fans d'Aromazone si vous l'avez déjà testée parce que c'est un best-seller, ça s'appelle la crème à tout faire. Donc vous pouvez vraiment l'appliquer sur votre visage, sur votre corps, sur vos pieds, sur vos cuticules. Vous pouvez également l'utiliser en masque capillaire et même en masque visage. Alors, il y a dedans de l'aloe vera, très bien, huile de jojoba, parfait, calendula, très bien, beurre de cacao, elle nourrit, adoucit toutes les peaux. S'utilise pure ou personnalisée parce que comme tous les produits Aromazone, vous pouvez faire vos propres mélange. Et j'ai pris ça aussi pour les fêtes. C'est une huile sèche satinée or. Ouh. Que vous avez remarqué qu'il y a zéro paillettes. Ça fait très très joli à mettre, vous savez, sur les épaules, sur les clavicules. Et ça sent bon, mais c'est très très léger. Et alors, si vous voulez être vraiment très généreux, il y a la pochette beauté qui comprend beaucoup de choses dont je vous ai parlé. 6 pépites de Noël pour le visage et pour le corps. De très très bonnes idées de cadeaux à offrir pour Noël. Des cadeaux ça sent trop bon. Je suis en train de tester le baume à lèvres coco. J'espère que ça aura pu vous donner des bonnes idées de cadeaux à petit prix, des cadeaux, des soins naturels efficaces pour prendre soin de soi en cette période de fête. Et je vous laisserai évidemment tous les liens dans la barre d'informations. Et viens ma poupée. Ouais, j'ai un cadeau pour toi. Attention aux ciseaux. Recule. C'est bien. Quand on était à Amsterdam, j'ai recommandé les croquettes de Poppy et je les ai reçues ce matin. Et bien sûr, j'ai commandé un petit joujou avec, mais j'ai pris cette fois 2 paquets de croquettes et un seul jouet parce que vous avez sûrement vu dans le Autumn Diaries de dimanche dernier à quel point son panier à jouets déborde. Regarde, j'ai complètement craqué, ça y est. Attends. Tu peux te calmer, recule, arrête mon amour, je vais te donner toujours les mêmes croquettes. J'ai commandé un jouet Kong parce qu'il n'y a que qu'elle ne détruit pas et c'est un arrête reine qui queen et qui a un ventre en balle. Tu peux me permettre d'enlever le carton s'il te plaît? Je peux enlever le carton? Poppy. Il est beaucoup trop mignon, il est beaucoup trop mignon. Wow. Oh là là, il queen bien. Alors, je pense que je peux totalement transvaser tous les jouets dans ce panier qui est dans mon entrée, qui est là en déco, mais qui ne sert pas à grand chose, et que ce sera plus grand que le petit panier à jouets de Poppy. Donc, essayons. Mais je pense que ça peut être une bonne solution de réutiliser quelque chose que j'ai déjà, sans devoir racheter encore un autre panier parce qu'on s'en sort plus. Regarde, on va mettre tous tes petits joujoux là-dedans. On met les balles au fond, bien sûr, on les met au fond. La petite Foxy, elle est trop mignonne, la petite Foxy. Tu la veux? Allez. Oh, le renne de Noël de l'année dernière. Mais c'était pas un Kong, celui-ci. Je pense que l'autre... Ah si, c'était totalement un Kong. Mais un Kong peluche, j'ai espoir que l'autre tienne un peu mieux, le nouveau. Voilà les amis, tout tient là-dedans très bien et je trouve que le panier, même dans la chambre, c'est très joli en déco, sans problème. Enfin en déco, si on veut, avec tous ces jouets là-dedans. Je viens de faire 4 heures de compta, j'ai le cerveau farci. Et là, je viens de préparer tous les vêtements que je vais mettre en vente sur Vinted. Je vais faire une grosse vente, donc ce dimanche à 17h. Si vous souhaitez acheter de nouveaux vêtements, je vais mettre une dizaine de manteaux en ligne. Aussi des cardigans, je vais vous montrer vite fait. Vraiment des manteaux de toutes les couleurs. Mais aussi, voilà, des petits cardigans, des petits pulls.
plein de choses. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai acheté pas mal de choses à Amsterdam. J'essaye de suivre le conseil de ma maman qui, lorsqu'elle achète quelque chose, vend une chose qui était dans son dressing et ainsi elle ne surcharge pas trop. Donc j'aime bien ce principe de j'achète quelque chose, je vends autre chose. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la barre d'infos, mais c'est tout simple, hein. Mon pseudo c'est Sleeping Beauty, vous allez me trouver très très vite. Mais surtout soyez bien présente à 17h parce que comme d'habitude tout part hyper vite et je ferai une deuxième mise en vente mercredi prochain à 17h également parce que voilà, j'ai envie de satisfaire tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent le dimanche qui pourront pas assister à la vente. Donc voilà, deuxième drop mercredi à 17h. Sur ce, je vais aller sortir Poppy. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir Amsterdam à travers mes plans. Prenez soin de vous, bye.